comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, je tenais à te remercier parce qu'au début de ton album, tu dis l'album c'est l'interview. Ouais. Et l'interview c'est ici. Ouais. Merci de nous avoir choisis. Ça va, c'est moi qui te remercie. Je suis honoré et je voulais profiter de ce moment pour te dire à quel point il fallait rendre hommage à l'artiste Nesbill. Parce que ces années d'absence, bizarrement, c'est les années où tu as été le plus présent, où on a le plus parlé de toi, où tu as été le plus évoqué, où toute une génération t'a cité, a grandi. Et en même temps, t'es jamais réellement parti, en fait. Il n'y a jamais eu ce truc de « je veux prendre ma revanche sur le game ». C'est un album où il n'y a pas d'aigreur, pas de nostalgie. Et tu dis « je suis là pour le business, pas pour l'honneur ». Ouais, ouais, pour le kiff aussi. Ouais. Pour le kiff, il n'y avait pas lieu d'être aigri. J'étais content de faire de la musique. J'avais pas de revanche à prendre sur quoi que ce soit ou sur personne. La seule revanche que j'avais à prendre, c'est sur moi-même. J'avais envie de donner... comme t'as dit, j'entendais les gens, ce qu'ils disaient, les trucs, les références, les, tout ça. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touché aussi. Ça m'a fait comprendre que faut redonner un peu de son. Ouais. Faut retourner au studio, faut envoyer de la musique. Il y a des gens qui en veulent encore. Il y a des gens qui attendent et puis... Et je suis rentré en studio par kiff. Je suis rentré par kiff et par plaisir. Et quand je dis pour l'honneur et pour le business, c'est pas pour l'honneur mais pour le business, c'est dans le sens où... ouais, il n'y a pas de... c'est pas un combat, c'est pas le combat d'une vie, ouais. C'est pas... Il n'y a pas le game déjà. Il n'y a pas le game, c'est de la musique. C'est de la musique et du kiff. Pourquoi on est ici? Parce que ici, c'est un endroit, Hubus, c'est l'endroit le plus populaire de Casa, à mon avis, avec une dinar d'ima. Et c'est ici qu'on vient manger le choix, tu vois, les brochettes, tout ça, c'est populaire. C'est à côté, on est dans le 04. Tout le monde vient manger ici. Pour 70 dirhams, 6 euros, tu manges comme un roi. T'as le choix, t'as le bled d'Etey. C'est convivial. C'est populaire et j'aime bien. C'est quoi ton premier souvenir ici dans ta vie? Mon premier souvenir ici? Ouais. C'est la grosse tête de chameau qui est accrochée devant le boucher, avec sa langue qui est comme ça. C'était ça mon souvenir. Et c'est les odeurs. C'est surtout les odeurs ici, mes souvenirs. L'odeur des égouts, l'odeur du choix, l'odeur de la moto qui passe, c'est des images et des odeurs. Tu venais souvent quand t'étais petit? Ah. Je remercie ma mère de nous avoir fait ce cadeau-là. Bah depuis que je suis petit, je viens. Je suis venu en car. Tu sais, à l'époque, c'était les cars avec les grosses remorques blindées, les gens ramenaient les frigos, tout ça. Et puis. Tu te réveilles, t'es en Espagne. Ouais, t'es en Espagne. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. C'était les routes, tu voyais le ravin en bas. C'était incroyable. Et je vais te dire un truc. C'est dans ces voyages en car... Que t'as eu la musique? Non, que j'ai appris à parler arabe. Que j'ai appris à parler Darija. Je me rappelle d'un jour, dans un voyage, on arrive à Casablanca, je dis, maman, ça y est, c'est bon, je comprends tout ce que tu dis. Et juste en écoutant. C'était intense, c'est des souvenirs, c'était le mec qui dort au milieu du car, c'est les odeurs de poulet, le bed, c'était un délire. Dans le bateau, tu fais des rencontres avec des autres qui viennent du 9-3, du 9-2, t'es là, les parents ils sont en bas, toi tu montes en haut. Pour moi, je fumais mes premiers bédos en haut du bateau, tu fais des rencontres. Non, c'était un délire. C'était des bonnes ambiances, tu vois. Casablanca, c'est aussi important que la banlieue parisienne pour toi, dans ta musique. Bah, la banlieue parisienne, c'est quoi la banlieue parisienne? Pour moi, maintenant, avec du recul, on a grandi. C'est vrai, on a grandi là-dedans, on a évolué là-dedans. Ça nous a appris à vivre avec d'autres personnes, d'autres cultures. Mais au final, quand tu regardes bien, demain, si tu ne payes pas ton loyer, tu es expulsé. Et au final, tous les combats que tu as fait pour ton quartier, c'est mort, tu vois. C'est mort, c'est... Au final, la cité, c'est pas ça qui nous définit, au final. Ouais. C'est pas ça qui nous définit. Ça nous définit un peu, mais c'est pas ça qui nous définit entièrement. Parce que
Avec le temps, tu te rends compte, plus je grandis, tu te rends compte qu'on a des... Je me rends compte qu'on a des codes et des valeurs, des fois, qui sont pas... C'est pas nos valeurs. Mmh. Tu vois, c'est pas nos valeurs. Mais tu sais, pour moi, le morceau... Les gens, ils disent souvent, Nesbill, sa plume, elle est émouvante. Sa plume, elle est triste. Mais pour moi, le morceau, ton morceau à toi qui m'émeut le plus, c'est un de tes morceaux les plus joyeux, c'est Ton à la Catalane. Ouais. Toi t'as café sous le haut, ça creuse la tanne. Canette, une baguette, la tomate dans mon castard. En 9-4, c'est nous les champions de la vanne. Pérable immédiat, médias, on fait ça, on fait une vague. C'est nos plus belles années. On galère toute la journée. J'sais pas encore rouler. J'arrête pas de voler du bon à la Catalane. C'est un morceau émouvant, tu vois. Ce que ça me rappelle quand j'écoute ce morceau, les moments avec des potes qui sont ouais. plus là. Ouais, le lycée. Les pauses entre midi à midi, entre 13h, tu vas au champ, t'achètes une baguette, tu prends un paquet de chips, le temps à la Catalane, tu voles tout le reste, c'est des souvenirs. Ronny moi, 2. Je me rappelle, j'allais au lycée à Michelet, c'était à Val-de-Fontenay, c'était des rencontres, j'ai rencontré des gens là-bas. Et ouais, temps à la Catalane, c'est la jeunesse. Ouais. Maintenant, c'est les Grecs, ils se font plus temps à la Catalane. Sauf que de temps en temps, au studio, nous, on se fait des petites manoucheries, des fois, tu sais, un sandwich blanc de dinde. Tu dis aussi blanc de dinde pour alterner. Voilà. Des fois, au studio, mais, ça fait mais c'est aussi ce truc de ces potes avec qui tu avais ces moments-là, les premières conneries, la Sega, les premières ouais. consoles, ouais. ils sont plus là. Shinobi sur ces gars. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Non, ouais. C'était merci. Ça. Non, c'est vrai, Shinobi. Moonwalker, Moonwalker. Voilà. Ouais, c'est tous ces souvenirs. C'est le RER, c'est aller manger le grec à Paris. Encore à l'époque, il n'y avait pas de grec. C'est les merguez, c'est tout ça. Merguez frites à 15 c'est tout. Francs. C'est le train gris. Ouais. Tu vois, c'est le train gris. C'est une époque. C'est une époque bien révolue. Est-ce que tu te disais à cette époque, c'est déjà en train de tourner ou pas? C'est-à-dire en train de tourner. Bah, c'est, quand on voit la façon dont toi tu parles de l'enfance, des souvenirs dans toute ta musique, dans toute ton œuvre, hein, ouais. tu parles beaucoup du moment où ça vrille en fait. Tu dis il y a un moment l'insouciance elle est plus là, ouais. l'amour il est plus là, ouais. Les valeurs elles s'inversent. Ouais. Bah quand t'es jeune t'es naïf face à tout ça. T'es naïf face à tout ça. T'as des croyances. Tu crois en des choses. Tu rigoles. T'apprécies la vie. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que non, c'est pas tout, c'est pas si beau, c'est pas assez. Ta Nia disparaît au fil des années. Mm. Ta Nia, c'est ta pureté dans ton cœur, t'es gentil, t'es pas mauvais. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te retrouves à confronter à certaines situations de la vie, et plus cette Nia disparaît. C'est quoi qui fait que c'est. Je constate que ça a basculé. Des fois, c'est quoi qui fait basculer les choses? L'argent. L'argent, on grandit, il y a cette concurrence. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis mieux que toi, c'est quoi? À la base, quand tu es jeune, tu te retrouves avec tes potes, c'est pour rigoler. Mais après, quand tu grandis, c'est comme un concours. Tu fais quoi, toi? Tu deviens quoi? Au final, c'est ça qui fait que... Ça a changé aussi en amour, c'est que maintenant, l'amour, c'est... Y a plus de coups de foudre, si tu remarques bien. C'est des coups de foudre sur application, tu vois. Crush. Tac, 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 y a... C'est des choses d'avant qu'ils étaient, qui sont plus. Et attention, je suis pas là en train de dire, ouais, c'est avant, c'est mieux que maintenant. Mais avant, il y avait quand même une petite Nia, il y avait une petite valeur, à tous les niveaux, à l'amour, les rapports entre les gens, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Là, c'est devenu, avec cette évolution qu'on a eue, ce progrès technologique, eh ben, c'est devenu froid. Ouais. Tout est devenu froid. Il y a aussi la place de l'argent. Maintenant, les histoires peuvent se régler avec de l'argent. Malheureusement, ça a pris une grande part dans nos vies. Bien sûr, faut vivre, on ne va pas vivre tout nu avec une peau de mouton sur nous. Il faut de l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent prenne la place dans ton cœur. Il faut garder ce côté humain, il ne faut pas devenir reptile. Moi, je vois ça comme ça. Ce n'est pas l'argent qui définit, une personne. Pourquoi tu utilises cette expression, il ne faut pas devenir reptile? Sans froid? Attention, je ne vais pas dire... Il y en a, ils ont de l'argent, ils ont des cœurs. Hein. Tu sais, ils ne sont pas reptiles. Mais l'argent, ça te fait perdre certaines valeurs. Ça te fait perdre... Tu peux... inconsciemment, tu peux devenir un reptile. Reptile dans le sens où
c'est mécanique, il y a plus de... c'est mécanique et c'est froid. Mm. C'est dans ce sens-là que, ouais, c'est reptilien des fois, tu vois. Mais quand même, je crois, il y en a, il y a des gens qui ont du cœur, il y a des choses qui se font, il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens, il y a encore de la NIA. Ça n'a pas totalement disparu, sinon c'est la fin du monde. Toi, maintenant que t'es père de famille, comment est-ce que ces valeurs-là, cette NIA, comme tu dis, t'essaies de faire en sorte que tes enfants, ils le préservent le plus longtemps possible? Parce qu'il y a un moment où ça s'envole. Ça doit te prendre la tête. Ça, c'est moi, avec mes gosses, j'ai une relation pote. J'ai une relation pote. J'ai une relation comme si c'était c'est mes gosses, mais il y a pote. Il y a pote dans le sens où s'il n'y a pas de dialogue, si tu parles pas, si toi tu es là comme les générations au-dessus, les grands, les plus anciens, bah moi j'ai souvent des amis qui me disent moi j'ai jamais parlé avec mon père. Je parle pas avec mon père, je parle pas avec ça. Et moi quand j'entendais ça, je me suis toujours dit jamais je vais reproduire ces erreurs-là. Déjà, j'ai pas grandi avec un père. J'ai grandi avec ma daronne. Ma daronne, c'était mon père. Et tu le dis dans l'album, ouais. Ma daronne, c'est le daron. Ouais, ma daronne, c'est le daron. Et toujours, je me suis dit, je veux pas être comme ce genre de daron qui est là, qui a pas de dialogue, qui parle pas. Et les pauvres, je leur en veux pas parce qu'ils venaient du bled. C'était le travail, tu vois. C'était le travail. Rentrer, il était assommé du travail. Il mangeait, il allait dormir. Ouais, mais t'as quand même un album. La première phrase de l'album, c'est « Papa tape maman ». Ça, faut la sortir. Papa tape maman, mon cartable, ma tristesse, mon lit superposé, mes petits frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse. Courir, grandir, je me sens libre dans l'ivresse. Les sous, les soucis, au petit déj, j'en mange par centaines. Fois la porte, les huissiers, impossible de fuir les problèmes. Aujourd'hui j'en rigole, à chaque jour suffit sa peine. Mariage, enterrement, des roses, bouquets, chrysanthèmes. C'est des trucs vrais, c'est pas... Quand je le dis, c'est beau dans la chanson, à chaque jour suffit sa peine. Mais c'est réel. C'est réel, c'était vraiment réel. Et c'était des moments... pas marrant, tu vois. C'était pas marrant. Donc le papa que t'es, en fait, on a l'impression que c'est plutôt un rôle de où toi, tu récupères aussi ton enfance à toi. Quelque part, ouais. Je suis là, je suis avec mon fils, c'est comme mon pote. Je suis avec mon fils, je suis là, je joue à la console avec lui. Je l'ai eu jeune, je joue à la console avec lui. Il vient au studio avec moi, des fois, il me donne des conseils. En fait, je me dis, avec les gosses, faut être proche d'eux. Si t'es pas proche d'eux, ils vont se faire bouffer par la rue. Pas par la rue ou des mauvaises fréquentations. Les fréquentations, c'est ça qui, des fois, qui te détruit, tu vois. Et je lui donne des conseils, je lui dis clairement les chemins par où je suis passé. Et je trouve transparence. Ouais, normal. Quand, par exemple, je dois lui dire « fume pas », je lui explique pourquoi, tu vois. Alors, comment tu lui expliques? Ben, je lui dis, les addictions, c'est pas bon, ça va te tuer la vie. Au début, quand tu commences, c'est toujours par rigolade, tu rigoles, c'est marrant. Mais à partir du moment où tu sais rouler, que tu peux fumer tout seul, c'est plus marrant. Et je lui dis toujours non. Je lui dis non parce que les addictions, elles font que tu te renfermes sur toi-même. Avec le temps, tu te renfermes sur toi-même et tu deviens asocial et ça rend feignant surtout. Ça rend feignant dans le sens où tu vas pas aller au bout de ton potentiel. Nous, notre génération, souvent je dis, on dirait que ça a été bien de rien faire à l'école, c'était bien d'être une Kaira. Avec du recul, tu te dis, mais on peut pas transmettre ça à nos gosses. Tu vois? Moi, dans ma tête, c'est impossible. Mais c'est ce que ta musique n'a jamais véhiculé comme valeur. Non, elle l'a jamais véhiculé, mais pourtant, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai foiré l'école. Parce que ta musique, c'était quand même un constat d'autodestruction. L'histoire d'un mec qui coule. Vrai. C'est l'histoire d'un mec qui coule. Y'a le monde qui s'écroule autour de lui. Je rappe sale, je crache tes douilles. Du merjoun, un flot tel me genouille. Monsieur de nous puisse, seule ma mère va pleurer sur ma dépouille. Oh, voiture bélier dans ta chicha. Champagne, vodka, car passe ou MDMA. La Wina, ça c'est Ripa. Oui, des Raja, 04 Casanegra. Je vais pas mentir. J'ai des grosses addictions. J'ai une part... ces addictions en moi, elles réveillent
des moments sombres. Et des fois, les moments sombres, les addictions, tout ça, ça peut... Tu t'auto-détruis toi-même de l'intérieur. Tu vois, tu t'auto-détruis toi-même de l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Ce que moi, je vis ou ce que d'autres vivent, je peux pas vouloir ça pour nos gosses, pour les générations futures. Mmh. C'est impossible. Encore, je dis bien, tu rigoles, tu vois, tu fumes, t'es avec tes potes, mais jamais les addictions. Jamais les addictions. Jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Tu dis la drogue a tué les quartiers comme Whitney Houston. Ouais. Ouais. La drogue et l'alcool. La drogue et l'alcool, surtout l'alcool, c'est un fléau. À mon sens, pour moi, c'est un fléau. C'est un fléau, pourquoi ? Au début, quand on commence, c'est le vendredi, c'est pour rigoler, on est là, on est dans la voiture. Mais à force, si tu tombes pas ce chapitre-là de la rigolade, eh ben, la page, elle se renferme sur toi. Et à la fin, tu finis comme les anciens. Dans chaque quartier, il y a une place où les anciens alcoolos, ils sont là, ils boivent. Et au final, tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de ta vie et c'est nul. Passer à côté de sa vie pour les addictions. Le PMU du quartier, c'est une antichambre. Ouais, hein. C'est ça. Parce que quand on est petit, on les voit. C'est ça. Et on les taille, les vieux. Ouais. Après, ça commence à aller jouer au rami, ouais. Aux cartes, ouais. Machin. Ouais. Et en fait, c'est nous, les vieux. Bah, je le dis dans Zone Euro, je dis héritier de nos pères, on se ruine au PMU. Sombre harmonica, tu sors dans l'anonymat. Nos vices nous abîment, je suis pas sorti du coma. Je compte mes hématomes, un fantôme mascaretta. Nique la mascarade, communauté du chacun pour soi. 9-6-9-6-6-6-6, je mets pas de soi, je laisse ça pour les malades. Toujours 9 sur moi, pas besoin de gros bras. Pas besoin de sécu, j'ai la CMU. Héritier de nos pères dans le mal, on se rue nos PMU. Putain de machine de guerre Rio, je suis pas l'ONU. Je sais que je vais tomber comme soldat inconnu. Avant, je me rappelle quand j'allais au PMU, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait nos darons. Les darons de mes potes, on les voyait, ils étaient là. Là, maintenant, tu vas dans les PMU, t'as le daron, t'as le sufi, tu sais, on reproduit ces schémas-là. Et je me rappelle ces histoires de PMU dans les couples, ça faisait beaucoup de problèmes. Ouais. Le daron, il cramait les allocs au PMU, ça rentrait, je me rappelle, ça faisait des gros problèmes. Et moi, je me rappelle quand je voyais ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais joué au jeu. Je ne joue pas au jeu. Pas d'addiction à ça ? Non, pas d'addiction à ça. Déjà, j'ai des addictions... Alors, il manquerait plus que ça. Ouais. Et quand tu vois les rappeurs faire la promotion des jeux de hasard, de paris sportifs, de machin... Je peux comprendre. Pas que les rappeurs, hein, même des gens influents. Je peux comprendre. C'est facile de blâmer les rappeurs, mais maintenant, il y a des influenceurs. Moi, je ne blâme personne. Je peux comprendre dans le sens où quand tu rentres dans un truc, tu te dois de saisir toutes les opportunités qui viennent. Surtout des gens comme nous, qui viennent d'endroits où faut être à l'affût des opportunités. Et une carrière, c'est fragile. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, de nos jours, les Winamax, quand tu fais une pub pour un jeu ou pour ça, quelque part, c'est une opportunité, c'est une rentrée d'argent. À côté de ta musique ou quand tu fais du cinéma. Moi, je ne le fais pas, c'est par conviction. Jamais je ne le ferai. Je trouve que ça, c'est de l'argent... Que si toi tu le gagnes, c'est toujours quelqu'un, un détient qui perd. Gagner cet argent-là. Pour moi, c'est que mon avis. La Française des Jeux, c'est une broyeuse de rêves. C'est une broyeuse de famille et c'est une broyeuse de gens, la Française des Jeux. Je trouve, chaque fois quand je rentre et je vois les gens, ils jouent, je dis, mais comment ils font pour croire en cette arnaque ? Comment il faut pour croire que leur vie va changer juste parce qu'ils ont gratté ? C'est pas possible. Et limite, moi, je me dis tout le temps, je joue pas, pourquoi ? Je veux pas jouer, pourquoi ? Imagine, je gagne 1 million d'euros. Moi, j'aime me battre. J'aime pas la facilité. Bien sûr, tu es content, mais moi, je veux pas. Ça me ferait chelou d'un coup, sur ta gratté, ça y est. Non, la Française des Jeux, c'est une broyeuse. Quand tu dis « j'aime me battre », ça a été quoi ta plus grande bagarre pour toi dans la vie ? La plus grande bagarre dans la vie ? Bah, c'est pas de niquer sa vie, d'avoir fait des choses, même si c'est des petites choses. Ne serait-ce que tu fondes une famille, t'as des gosses, tu te lèves le matin, tu vas aller les ramener à l'école, tu vas faire les courses, tu te bats pour les tiens. Ça, pour moi, c'est... Je dis pas c'est un combat ou c'est ma victoire,
Mais quand je me lève le matin, je vois les miens, ça me donne envie d'y aller. Et quelque part, ça quand tu fondes une famille ou quand tu pars dans ces choses-là, ça te comme on dit en rebeu, ça te jmin, ça te rend homme. Tu vois ? Ça te rend homme. C'est pas un combat, mais c'est une de mes choses qui font que ouais, j'aime bien. C'est intéressant ce que tu dis, ça te rend homme, c'est que pour toi, être homme, c'est assumer la charge mentale de la parentalité, au même titre que la mère. C'est ça. C'est ça, en fait, je reproduis ce que ma mère elle a fait. Si t'es pas capable, tu le fais pas. Et ça se voit tout de suite quand t'es pas capable. Mm. Tu vois ? Donc, ouais. C'est une de mes sources de motivation. Est-ce que tu penses pas que la clé, souvent, ça fait quand même maintenant 20, 30 ans, 40 ans depuis qu'on est né, qu'il y a des banlieologues qui viennent avec des solutions toutes pétées avant les élections. Donc maintenant, on a compris qu'on était le problème, alors qu'on habite là-dedans. On comprend que la religion est reléguée comme étant un ennemi. Il y a tout ça, mais j'ai l'impression que personne veut affronter le seul potentiel de solution dans les quartiers qui est les mères célibataires. Mais je trouve que c'est elles qui ont la clé, en fait. Ah ouais, gros respect à toutes les mères célibataires, déjà, parce que c'est pas facile. J'ai grandi là-dedans, je sais ce que c'est. Et là, maintenant, encore pire. On vit une époque pas facile pour tout le monde. Mmh. Et même là, maintenant, il y a des gens difficiles, il y a des situations très, très difficiles. Je les vois tous les jours. Je suis encore au contact de tout ça. Et en plus, je sais pas si je dois en parler là, mais j'ai d'autres motivations dans la vie. Il y a des choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de partager. T'as envie de transmettre. J'ai envie de transmettre et partager ce que j'ai. Mmh. Aider. Mmh. Aider les nôtres, essayer de faire quelque chose. J'ai pas envie de rester inactif. Il n'y a pas que la musique. En fait, la musique, c'est comme un cheval de Troie. OK, il y a la musique, mais derrière, il y a plein de choses qui suivent. Tu peux faire plein de choses. Ne serait-ce que... Des fois, il y a des familles, le 20 du mois, il n'y a plus rien. Ou 15, il n'y a plus rien. Je suis au courant de tout ça. Ne serait-ce que faire des choses dans ce sens-là. Essayer d'aider les femmes seules qui élèvent leurs gosses, essayer de faire des choses, c'est tout. Je vais pas dire quoi, mais essayer de faire des choses. C'est marrant parce que la première fois que je t'ai rencontré, ça devait être il y a 20 piges, mine de rien. Con, il y a 20 ans. Ouais. Oh là là. Ah, ça devait être marrant. Et c'est marrant parce que un jour sur deux, c'était pas la même personne. Ah, c'est nos contradictions, tu sais. On a grandi. Tu sais, les gens mais qui par viennent... contre, t'avais une qualité, c'est que tu prévenais. Bah, tu disais, ah, je suis pas le même qu'hier, là. Je suis dans un délire. Mais en fait, c'est je pense qu'on a tous des contradictions. Ouais. Tu sais, on a tous... Encore pire quand t'es jeune. Quand t'es jeune, surtout nous, je vais pas dire les banlieusards, parce que ça peut toucher tout le monde, ça. Mais nous, les banlieusards, on est remplis de contradictions. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois une daronne qui est là, qui galère, tu lui portes son sac, tu aides les gens à faire les courses. Dans nos quartiers, on est bien avec tout le monde. Et qu'après, tu puisses avoir des pensées démoniaques, c'est contradictoire. C'est super contradictoire. Ou ne serait-ce que... T'es là, tu fais certaines choses, et après, tu vas à la Joumoua le vendredi. C'est super contradictoire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. En même temps, c'est aussi avoir conscience de ce qui va pas et de ce qui peut être atténué ou apaisé. Faut pas être dans le déni. Ouais. Moi, je suis pas dans le déni. Ouais. Je sais, mais je connais mes défauts, je sais mes erreurs, je sais, des fois, j'ai fait des choses nulles, pourries. Moi-même, avec du recul, je me dis c'était nul. Mais je suis pas dans le déni. Je sais mes erreurs, je sais me remettre en question. C'est super important, la remise en question. Dans tout, hein, dans tous les domaines, la remise en question, c'est ce qui te permet de te surpasser, de vouloir toujours être le meilleur, tu vois. S'il y avait un truc à pas refaire, ce serait quoi ? Une anecdote ou un truc où tu dis, mais j'ai vraiment... À pas refaire. Ça peut être du plus anodin au plus, tu vois. J'aurais dû tout défoncer à l'école. Mais vraiment.
Car de nos jours, c'est comme ça qu'on définit, surtout dans notre pays, en France. C'est quoi qu'on regarde? C'est les résultats. C'est les diplômes. On ne prend pas le temps de voir ton intérieur. C'est les résultats. Si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas de... Si tu n'as pas de... Si tu n'as pas une réussite scolaire, tu as un réseau social très, très... un réseau social qui va se transformer des fois en réseau carcéral. Tandis que quand tu fais des études, moi je dis toujours les études c'est bien car ça te permet de rencontrer des gens. Et plus tu évolues dans les études, bah, tu découvres ton potentiel, tu dis ah je suis capable de faire ça, tu rencontres des gens et tu te fais un réseau social quelque part, ce qui va te servir plus tard quand tu es grand. Mais alors explique-moi comment toi qui as foiré les études, arrive à voir cette écriture-là. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai été bloqué pendant un temps où j'avais rien à faire. Et ce laps de temps où j'avais rien à faire, je me rappelle, j'avais un dictionnaire. J'avais un dictionnaire et je kiffais regarder les mots. Je regardais, ah ça, ça veut dire ça. Et j'aimais bien les mots compliqués. Je kiffais. Ce qui fait, je disais, ah ouais, ce mot-là, il veut dire ça, il veut dire ça. Ce qui fait que j'ai mangé le dictionnaire. Ce laps, dans ce laps de temps, je l'ai mangé le dictionnaire. Et je ne vais pas te mentir, j'aime bien la lecture. J'aime bien lire. J'aime bien lire, j'aime bien... Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à tout ce qui se fait dans la vie. Tout, tout, tout. Je regarde des documentaires, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Je suis curieux. Je suis super curieux. Ce qui fait que, quand j'ai commencé le rap, quand j'ai commencé à découvrir que je pouvais faire des choses, ça sortait automatiquement. C'était quoi le déclic? Le déclic? Pour que tu commences à faire du rap, à dire je vais être rappeur ou j'ai juste envie d'écrire un texte. Bah, le déclic, il se fait à la fin du premier album Dissident. J'ai de la famille à Boulogne. Quand je vais à Boulogne, je rencontre qui? Je vois Mala, je vois Ali, je vois Booba, je vois Brahms, l'Airhmo. Je vois tout le monde. Et je me rappelle, je parle avec Booba, et après, je vais au Maroc l'été. Je suis assis dans mon star, on va presque rentrer à Paris. Dans ma tête, je me dis, quand je rentre, j'arrache tout. Et dans ma tête, j'étais sûr, quand je rentre, j'arrache tout. Et je me suis dit, je rentre, je vais vraiment montrer c'est quoi Nesville. Pas, ouais, je vais venir les éclater, mais mon histoire, ce que les gens... Des fois, c'est pas moi. Tu sais, je ne vais pas te dire, ouais, j'ai tout fait, j'ai tout vécu. Non, je suis qu'un petit banlieusard, je ne suis pas un voyou. Mais les gens autour de nous, si on ne la raconte pas, qui va la raconter? En tout cas, avec les bons mots. Je prends. Et après, c'est des instants de vie. Ma musique, c'est des instants de vie. C'est comme. C'est des flashs. C'est comme des photos. Ouais. Tu vois, c'est des instants, c'est des moments. Des fois, je suis assis là, il y a un pote qui vient, qui raconte une histoire, il y a l'autre qui raconte ça, il y a l'autre qui raconte ça, l'autre qui a fait ça, l'autre qui est là-bas. Et c'est comme des contines macabres, tu vois, qui tombent dans ma tête. Et au final, j'entends lui vivre ça, bam, c'est tac dans ma tête, je sais quel mot je vais utiliser, comment je vais le retranscrire. Et il y a des choses que j'ai vécues. Il y a des choses que j'ai vécues. Tu retiens quoi de cette époque-là? Ça nous a forgés, ça nous a rendus super forts. Pour la plupart, ça nous a rendus super forts. Et ça nous a mis en mode, on va se taper, on va se taper. Quand j'écris à chaque jour suffit sa peine, l'image c'est quoi? La vie c'est quoi? Tu vas faire des choses, tu vas les rater, tu vas tomber. Mais l'essentiel, c'est pas de rester par terre. Tu restes par terre à cette heure si tu te fais piétiner. Frère. Tu te relèves, tu vas retomber, tu vas te relever, tu vas te relever. Et c'est ça la vie. Ça meurt pas en silence, un homme qui se noie. À traverser du miroir, nos sourires. J'étais petit, j'avais peur dans le noir, nuit blanche. Dans ce couloir, je marche interminable et ce boulevard. J'écris, la main gauche, dégueulasse, c'est mon buvard. Et dit tout d'aille pour écrire l'histoire. Une défaite, un exploit. À chaque jour suffit sa peine, demain je trouve un emploi. Tomber, se relever, partir, tout le monde cherche sa voie. Un regard, l'amour rentre dans ta vie sans le savoir. La vie, c'est. Pour moi, à mes yeux. C'est ça, c'est des combats, c'est l'essentiel, c'est pas de rester par terre. Je le disais hier encore à mon fils.
Je lui disais, tu peux tomber. Je lui dis, tu peux tomber, tu vas tomber. Et justement, je lui dis, en fait, c'est pour moi, la vie, elle est, le monde, il est coupé en deux. Tu as ceux qui font et ceux qui critiquent ceux qui font pas et qui critiquent ceux qui font. Moi, je préfère être du côté de ceux qui font. Même si c'est pas, si c'est pas, si c'est pas, il n'y a pas de succès, même s'il n'y a pas, l'essentiel, c'est que tu as fait. Je déteste le goût d'inachevé et je pense que. Déjà, je le dis à mon fils, ne laisse jamais le goût d'inachevé dans quoi que tu fasses, ne laisse jamais le goût d'inachevé arriver dans ta bouche. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, quand il y avait l'aventure dissident, quand ça commençait à être avec Ali, Booba et tout ça, parce que aujourd'hui, ça paraît simple de dire ouais, Booba, tu vois. Mais les gens réalisent pas le chemin qui a été parcouru. Ah frère, il y a du chemin. Et l'ambition. Ah, il y a du chemin. Les gens parlent d'amour, je te parle de ce que je connais. Les rues de ma ville, de ce que je connais. Moi je sais où je vais, d'où je pars, d'où je pars. Engagé sans bateau, les rats savent nager. Négro. Les bad boys évitent la cellule, les filles évitent la cellulite. En fraude au crépuscule, j'ai vu du sang couler en litres. Nesbill, marocain c'est le filtre. Nos mères atteignent la retraite avec l'arthrite. La vie qui faut se battre comme un fauve dans la faune. Réussir avec des casiers troués comme la couche d'ozone. Dimanche pas de chance, ça fornique fort les Amazones. Pas le droit à l'erreur, un verbal brolique dans les chromosomes. En fait, il y a des moments, il y a eu des moments durs. Des moments où tu vas au studio, tu rentres dans le RER. T'es là, t'es dans le RER A, t'écris tes textes. C'est des moments comme ça. Des moments où je me rappelle quand on sort notre premier clip avec Dissident, il n'y a même pas 4000 vues. Dissident, trois gars d'ici qui sont dedans. Pour le son, dans le sang, ça sent. Je crois que c'est évident. Pour le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète. Pour le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Dissident, trois gars d'ici qui sont dedans. Pour le son, dans le sang, ça sent. Je crois que c'est évident. Pour le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète. Pour le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. C'est des moments où qui peuvent te dire, oh, c'est bon, il n'y a rien. Mais au final, ces moments de rien ou d'échec, c'est des moments qui ont fait que, bon, la prochaine étape, je vais faire mieux. C'est comme des sortes de trampolines. Chapitre 1, chapitre 2, tu rebondis, boum, 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 boum. Il y a des paroles de l'époque que tu regrettes? Ouais. Karima, Karima, kiff, les baccaras, ils frottaient, sont trop tellement, mais c'est fini la mascarade. Tu savais que j'allais te dire ça. Regretter cette parole, non, j'ai dit pire. C'était un temps. C'était un temps. Ouais, elle était marrante la punch en fait. C'était même pas une punch, c'était un fait. Ouais, elle est pas. C'est pas exceptionnel, hein, ça vole pas haut. C'était pour une de décoffrage. Oh, j'en ai dit des pires. Genre quoi? J'en ai dit des pires, je sais pas moi. Par exemple, un son comme Amnésia. Je regrette et je regrette pas en même temps. Amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. Ce morceau, je le regrette dans le sens où carrément on a lancé l'amnésia dans l'Île-de-France, au fait. J'avais mon pote qui avait des gens qui avaient... qui avait le rinté au bourreau, il me disait, bah, tu nous as fait exploser le truc avec Amnésia. C'était bien sur l'instant, et puis après, à un moment, tu te dis, je dépasse ça, j'aime pas faire l'apologie d'une chose qui au final, avec du recul, c'est pas bon. La gueule de rose, c'est pas bon. En faire l'apologie, non. Avec du recul, non. Restons sur l'apologie du ton à la catalane. Ouais, c'est mieux. Maintenant, il y a des... Bah, quand tu fais des choses comme ça, sur le moment, tu le vois pas, t'as la tête dans le guidon. Mais quand tu grandis, tu prends du recul, c'est comme si tu disais, waouh, allez-y, super. Non, bah non. Non, c'est dans ce sens-là que je suis plus trop fier de ce moment. Voilà. Et, à contrario, est-ce qu'il y en a dont t'es encore très très fier? Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Une vérité. Hein. Même pas? J'écoute pas ma musique. Je m'écoute pas, moi. Tu peux demander aux gens avec qui je travaille. Ils me disent, prends les morceaux avec toi, ramène-les à la maison, réécoute-les. Non. Moi, je kiffe le moment quand j'écris. Le moment de création. Le moment quand t'es là, t'écris. Au début, t'es là, tu te dis,
Oh là là, j'arrive plus. Des fois, je bloque sur... je fais 4 phrases, je bloque. C'est nul, je recommence. Je me dis, mais comment je vais faire pour la suite? Et quand j'arrive à la fin, je dis, waouh, quand même, t'as réussi. Je kiffe le processus d'écriture, le processus d'enregistrement. Comment ça te vient, en fait? Comment ça me vient? Ouais. Est-ce que il y a des morceaux que tu... où tu colles des choses que tu écris à droite à gauche, ou c'est toujours un moment où tu dis, voilà, il y a l'inspi et tu peux écrire d'une traite? Je vais pas te mentir, c'est de l'impulsivité. Il n'y a pas de calcul, c'est pas je me lève le matin, je me dis aujourd'hui, je vais écrire à chaque jour, suffit sa peine. C'est impossible. Je suis impulsif, un vrai impulsif. Ça veut dire que moi, dès que tu m'as un cadre, c'est carré et tout, bah, je me dérègle, je fais rien. Si par exemple aujourd'hui je me dis je vais écrire sur le voyage ou sur Hubus, le fait qu'on est au Hubus, ça va être nul. Moi j'attends. J'attends, je suis un grand feignant. Je suis un grand feignant dans le sens où s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc ça fait que je peux rester des 3 jours, 4 jours sans rien faire. Mais quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, c'est des grands jets, c'est des... ouais. Et il n'y a pas de... Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des photos. Moi je prends... Je fais ça, 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 ça. Des fois, à la fin, je me rends compte, je me dis, oh, ça colle. Et il n'y a pas de calcul. Je n'ai pas fait exprès que ça colle. C'est de l'impulsivité. Et la musique, moi, j'aime bien quand c'est impulsif. Quand il y a ce côté, pas réfléchir, pas ouais, préméditer le truc. Non, il faut... Il y a du travail, mais il faut que ça parte toujours d'une impulsivité, d'un déclic, une situation. Moi, de toute façon, quand j'écris une chanson, le plus important pour moi, c'est la première phase. La première punchline, ça y est, j'ai le morceau. Dès que j'ai la première phase, ça y est, ça glisse. Et tu gamberges combien de temps avant de te dire il y en a une qui va sortir? Après, les punchlines, des fois, c'est dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Dans un morceau, je dis, ouais, c'est devenu haram de les mettre derrière ton dos. Cette punchline, c'est ma daronne. Un jour, elle a dit ça, elle a dit en rebeu. Je dis, wow, je l'ai regardé, wesh, Walida, c'est quoi cette punchline? Et je l'ai mis dans un morceau. Des fois, c'est des potes, des fois, c'est moi, des fois, c'est des situations où t'as des moments où c'est des situations que je vis et j'ai l'image. J'ai l'image et je la retranscris sur papier. Il y en a une qui est. Tu sais très bien que je vais t'en parler sur l'album qui est. Extrêmement forte et simple en même temps. Ouais. C'est l'enfer, c'est les nôtres. Celle-là. Ouais. Je vais t'expliquer cette phrase. Au fait, à la base, c'est l'expression, c'est l'enfer, c'est les autres. C'est trop facile, ça. De dire, ouais, c'est les autres, c'est vous les méchants et nous, on est les gentils. Tout le monde fait ça, en vrai. Moi, j'ai constaté des fois que. Les vrais méchants, 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 ils viennent de toi. Ils viennent de la méchanceté, l'enfer, je vais te dire un exemple. Moi, dans ma carrière, j'ai fait des albums, j'ai fait des choses. Mais il n'y a jamais eu de grand succès de fou malade, genre les disques d'or, ils sont venus avec le temps, avec du recul. Ils sont venus avec du recul sur la longueur. Mais sur le moment où il fallait qu'ils viennent, ils ne sont pas venus. Qui fait que moi, je me suis mangé des choses comme si j'avais gagné des Harvard, comme si j'avais fait des choses grandioses. Alors qu'au fait, pour moi, c'est tout petit, je n'ai rien fait. Je me suis mangé des choses, comment dire, je ne vais pas faire la victime ou la pleureuse, mais pour moi, je n'ai rien fait. Je me suis mangé des choses comme si j'avais fait des millions de ventes, comme si j'avais fait des Harvard, comme si j'avais fait des tournées. Comme... Je vais te dire un truc, j'ai jamais fait de tournée, réellement. Et moi, je me suis mangé des choses, j'ai eu j'ai eu beaucoup d'exigences. Attention, je ne te dis pas l'enfer, c'est ma famille, mais l'enfer, c'est... C'est ceux qui sont censés te ressembler et t'aider. Ouais, et des fois, c'est toi-même l'enfer. Dans la réalité, c'est ça aussi, des fois. Quand je dis ça, des fois, l'enfer, c'est moi. C'est moi qui me ramène moi-même dans la gêne, des fois. Et je trouve que c'est trop facile de dire l'enfer, c'est les autres. Quelque part, c'est être dans le déni et de dire, ouais, tout le temps, c'est les autres, tout le temps, c'est les autres. Non, des fois, c'est toi ou c'est toi, c'est ce qu'il y a autour de toi. Nesbill vient de clasher Sartre, c'est bien.
Non. C'est bien. Non. On pourra pas te répondre. Non, non, je sais même pas c'est qui Sartre. C'est Sartre qui... Ouais. Ok. Bah, cette phrase, je te dis franchement, elle m'a marqué. Chaque fois que je la voyais, je disais, l'enfer c'est nous. Je dis, non, 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 l'enfer c'est les nôtres. Tout le temps. Et quand tu dis ma part de responsabilité à moi, il t'a fallu combien d'années avant de faire cette autocritique? Parce que ça prend du temps, ça, en vrai. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas dans le déni. Moi, j'ai fait beaucoup de choses nulles. J'ai dû chanter des trucs nuls. J'ai dû avoir des comportements nuls. J'ai dû mal me comporter avec certaines personnes. Mais des fois, c'est ces comportements, ces actions que j'ai pu avoir, pourquoi avec du recul, tu les comprends, tu les acceptes mieux? C'est que bah, tu grandis, tout simplement. Quand tu es jeune, quand tu es un peu plus jeune, eh bah, tu crois que tu as la science infuse, tu n'es pas dans la remise en question, tu crois que tu connais tout, tu ne veux pas écouter, tu veux pas, tu fonces comme un métro. Vroom. Alors qu'au fait, tu es dans le faux des fois. Mm. Tu es dans le faux et tu es content d'être dans le faux. Tu crois que tu es dans le vrai, mais tu es dans le faux. Et plus tu grandis, plus tu as des expériences, plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te lèves, tu tombes, bah, tu te rends compte des fois que des fois, c'est toi. C'est toi qui a fait que tu t'es retrouvé dans certaines situations. Moi, je me suis retrouvé dans certaines situations. Jamais j'ai dit, ouais, c'est lui ou c'est l'autre ou c'est moi. J'ai dit, c'est moi. Quand même, des gens, ils m'ont fait du mal ou ils ont précipité certaines choses, eh bah, je me dis, c'est de ma faute. C'est pas de sa faute à lui, c'est moi qui ai ouvert la porte. Mmh. T'arrives à accorder ta confiance maintenant? Même si je veux pas l'accorder, la confiance. Même si je veux pas, même si au plus profond de moi-même, dans Zonoro, je dis, ouais, si t'as été blessé, moi j'ai le cœur déchiré par un harpon. Solitaire, je me balade, mon cœur porte à pare-balles. Des cadences m'enfoncent à une cadence infernale. Tous les jours, dimanche, personne danse, je veux personne à mes funérailles. Différentes façons de voir les choses, moi c'est profond. Si t'as reçu une flèche dans le cœur, mais on la déchire au harpon. Les gens parlent d'amour dans ma tête, c'est toujours 10 000 questions. Avec les expériences de vie, on grandit, tu te dis, je vais me fermer. Moi, je dis, j'ai mis mon cœur dans une forteresse. Mais en fait, si tu restes comme ça, c'est pas bon. Car en fait, il y a des gens bien. Il y a des gens bien. T'es obligé de... Moi, maintenant, je me dis, je la donne ma confiance. Je reste toujours pareil. Le mec qui va venir, viens. Même s'il va faire un truc, viens. Mais je suis obligé de rester, d'avoir cette confiance, de croire encore. Ouais, t'imagines si on reste tous dans notre coin, bloqués par l'autre qui t'a fait ça, l'autre qui t'a fait... Bah, tu vas plus vouloir. On est des humains. Il faut se donner de la confiance entre nous. Tu vois? Et le pardon? Franchement, ouais. Ouais. Il y a quand t'es... Quand t'es un peu plus jeune, t'aimes bien, t'as envie de vengeance, t'as envie de choses comme ça, t'as envie de refaire la même chose que la personne t'a fait. Mm. Mais au final, des fois, quand bien même tu vas au bout de ta vengeance ou de faire du mal à la personne qui t'a fait du mal, tu le regrettes après. Ouais. Tu le regrettes, même si tu t'es fait du bien sur l'instant même, tu le regrettes après. Parce que notre nature profonde, elle n'est pas faite pour se faire du mal les uns les autres, en vrai. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai un frère, tu vois. Ouais. Mustapha, on s'est pas parlé pendant 10 ans pour un truc de merde. Et tu sais, tu te rends compte, 10 ans, ils sont passés. Parents qui tombent malades, les histoires, les machins. T'imagines-toi. Alors que sur le moment, moi je parle plus, lui, il parle plus. Mais 10 ans sans se parler avec déjà son frère, quand vous allez vous reparler... On s'est reparlé. Ben ouais, ça, c'est mathématique. Moi-même, je me prends la tête avec mon frère. Je vais te dire la vérité, je me prends la tête avec mon frère. Mais comme tu viens de dire, j'attendrai pas 10 ans. Ouais. Et jamais, pourquoi? Mais deux amis qui se disent pardon, c'est incroyable. Tu vois, pour moi, c'est comme un frère. Ouais. Mais quand deux amis se disent pardon pour le mal que je t'ai fait, et que lui dit pardon pour le mal que je t'ai fait... Bah, c'est beau. C'est beau. Mais pourquoi on n'a pas cette... comment ça se fait qu'on met 10 ans? C'est la question que je me pose. Non, moi, franchement, je vais pas te mentir. Sur le moment, t'as envie de te dire, ouais, je définis toute la vie, plus jamais.
Mais ne serait-ce que par nos moments quand on était petits, les lits superposés, les chaussettes différentes, tu te lèves le matin, il t'a pris ça, il t'a pris ci, les moments comme ça, les... tu te dis non, non. Et un jour, tout va partir. Et quand tu te remarques parler avec la personne, tu dis j'ai laissé passer 10 ans. Et tu regrettes. 10 ans, c'est beaucoup, c'est une décennie. Il y a des gens comme ça, toi, où tu dis mais pourquoi on se parle plus ? Sans filtre, tu vois. Ouais, mais ça va être réglé là tout de suite. Ça dure pas longtemps. Ça va. Moi, je suis quelqu'un. Quand bien même on déconne, quand bien même on se parle plus, moi, je fais le premier pas toujours. Je fais toujours le premier pas, même si la personne, c'est elle qui a commencé, je fais toujours le premier pas. Mmh. Et ils peuvent être témoins. Je laisse pas traîner, je vais pas laisser traîner. Avec mes proches, comme avec les gens qui sont pas nos proches. Comment tu dis le rap, il s'est arrêté quand il y a eu les carrés VIP. Tu parles de ça. Quoi ? Tu parles des carrés VIP. Tu dis qu'il y a un moment où tout ça, ça. Tu dis en tout cas, le rap s'est arrêté. C'est arrêté. Ouais. Après, il y a. Pour moi. Après, chacun sa vision. Ouais. Le rap, c'est pas les carrés VIP. Le rap, c'est pas les boîtes de nuit. C'est pas tout ça. Maintenant, c'est une évolution de la chose qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais le rap, c'est pas ça. Pour moi, après, moi, j'ai pas un manuel de rap qu'il faut qu'il soit comme ça. Je suis pas Che Guevara du rap. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas dire, ouais, c'est comme ça, et pas autrement. T'as encore des potes dans le rap ou pas ? Dans le rap ? Ouais. Bah, il y a des gens que je connais. Il y a des gens, quand je vais les revoir, bah, c'est sûr qu'on va se parler, on va se dire bonjour. Dire des potes, non. Mais dernièrement, j'ai eu d'agréables surprises quand j'étais en studio, surtout avec les petits de la nouvelle génération. Je dis pas les petits parce qu'ils sont grands maintenant, ils tiennent le haut du pavé. Ben, il y a des mecs avec qui tu as des petites affinités, tu rigoles, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de ouais. Tant qu'il n'y a pas de calcul, tant qu'il y a toujours de l'impulsivité, ah ouais, c'est amical. On fait la musique, on fait pas la guerre. Tu parles de ZKR. PLK. PLK, c'est des gens que j'ai appris à connaître. Par exemple, PLK. PLK, je suis là, je ne le connais pas, moi. Je ne le connais pas, j'entends sa musique, mais je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On est là, je suis en studio, je fais un morceau. Belek, il me fait écouter une musique, j'écoute, il passe au studio. Il passe au studio et kiffe la musique. C'est un premier pas. Après, on est là, on est assis, on discute. Et au final, tu vois que ces mecs-là, ils sont cool, c'est agréable. C'est un bon moment, c'est des bons moments, tu rigoles, t'es là. Et au final, le morceau, il se fait sans... Le morceau, il s'est fait en tout cas sans... Ouais, je vais faire un morceau avec PLK et lui ou là. Non, tous les mecs qui sont sur l'album, ils passent, ils écoutent le morceau, on rigole. Un mec comme Aurel San, je peux pas avoir de calcul avec Aurel San. Aurel San, c'est... Ouais, on peut dire c'est un poteau du rap. Comme ZKR, il est venu, il a écouté, ouais, ah ouais, lourd, ouais, ouais, tac, on est là, on boit du thé, on est au studio, on rigole, on part sur le morceau. Dem appelle le dem, le sem appelle le sem, leur vice de putain, soum soum, mal caché comme mes défauts, la fibre l'écriture urbaine, de quête d'origine marocaine, force aux frères qui purgent des peines, durée ferme comme marocaine, je crois qu'on est bon à refaire les mêmes erreurs qu'on a déjà commises, ça rappe même plus, ça atomise, ça écoute plus, ça agonise, promesse pas tenue à ma promise, les blêmes arrivent à l'improviste, certifié par la rue, je m'en bats les couilles, que le reste est approuvé. Le sang de l'ennemi pour s'abreuver, pour les glaives faut un port d'armes. Lequel de ces pseudo-calculateurs va croire m'utiliser? D'où je viens de pas se rapper, c'est se ridiculiser. Pour nous, y'a que les techniques souterraines pour rentabiliser. Sur tous les featuring qui sont sur l'album, c'est pas je me suis levé le matin, j'ai dit je veux lui en featuring. Tous ceux que je voulais en featuring, ils sont pas sur l'album. Mais Aurel San, t'as été un des premiers du rap à lui ouvrir. Non, j'aime pas. Y'a beaucoup de gens, ils viennent, ils me disent ça. Non, moi j'ai ouvert la porte à personne. Je t'ai dit pas ouvrir la porte, j'ai dit ouvrir ton cœur. Ah, mon cœur, c'est un grand mot. Aurel, c'est une personne. Déjà, humainement, je l'aime bien. J'aime bien sa nia, sa prime nature. Tu vois, il est pas mauvais, gros. Il est vraiment pas mauvais. C'est quelqu'un, il est pas mauvais. Et ça, Aurel, frère, il m'a fait des pâtes. On mange ensemble. Tu sais, c'est quelqu'un de. J'aime les gens comme ça. Les gens vrais. Qui, regarde, je l'ai revu. C'était plus le même Aurel que quand avant. Mais le mec, il est toujours pareil, tu vois. Et ça, c'est bien. Ouais. Et il n'a pas hésité. Non.
Il est venu comme si on était, comme si on était rien. Il est venu comme si c'est comme au début. Et est-ce que toi, t'as hésité à lui demander? Franchement, ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, j'ai, frère, je vois maintenant Aurel, c'est plus l'Aurel d'avant. Je me suis dit, attends. Bon, au final, non. Au naturel, allô, passe au studio. Le morceau de vous deux qui est quand même qui restera c'est ouais. ma grosse. Ouais. On peut en parler? Ouais, on peut en parler. Ouais. C'est une déclaration d'amour aux femmes fortes. Ouais. Les hommes te doivent du respect. Ceux qui n'aiment pas tes formes n'ont jamais dû tester. Yeah, ma grosse, 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 ma grosse. Bah, j'ai grandi, je te dis, avec qu'avec des femmes. Moi, mon père, c'est ma mère, c'est vraiment réel. Quand je dis qu'avec des femmes, mes tantes, les copines de ma mère, j'ai grandi dans un environnement féminin. Et les femmes africaines, bon, on va pas tout généraliser, c'est des femmes gros caractère, c'est imposante. J'ai grandi comme ça, tu sais, j'aime bien, comme on dit chez nous, j'aime bien le harba. Voilà, j'aime bien quand... Voilà. Déclaration d'amour assumée. Ouais, j'assume pleinement. Et... Quand tu me parles de la nouvelle génération, sur cet album, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence. Ça se pose pas comme question. Non. Non. Je te jure, quand je kick avec ZKR ou PLK ou Landy ou Z, ben les mecs, ils font taf quand même, frère. Moi, j'écoutais un petit peu tout ce qu'il faisait. Z, quand son producteur il est venu au studio, il a fait écouter un peu l'album. J'écoutais au loin, je me disais, putain, il est chaud, lui. Quand j'écoute ZKR, franchement, j'ai l'impression d'écouter un mec de notre époque. J'entends un crack. Quand PLK, il vient, il nous fait écouter des sons à lui, je me dis, oh là là, tu sais, je me mange une... Ouais, quand même, ils sont là, ils sont vraiment... Et d'autres, il n'y a pas que... Il y en a d'autres, ils sont là, vraiment là. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence, tu penses, entre leur génération et la tienne? Dans leur façon d'appréhender l'industrie musicale ou lors de leur entourage La génération de maintenant, c'est professionnel maintenant. Mm. Maintenant, quand tu viens sur un clip, il y a une styliste. Tu changes de tenue, les plans, les mecs qui connaissent leur business, c'est carré. Maintenant, tu peux faire les choses sans passer par comme nous avant. Avant, si tu passais pas par là, si tu faisais pas ça, c'était mort. Et c'était mort. Et une chose que j'ai remarqué la différence avec nous, c'est que eux, ils ont fait des choses que nous, on n'a pas fait. Alors que nous, quand j'y pense, dans notre époque ou notre génération, il y avait du gros level. Bah, il n'y a jamais eu un... Comme ils ont fait Jul, là, le... Bande organisée. Eux, ils l'ont fait. Je me dis, regarde le résultat. Je me dis, si nous, on aurait fait les choses comme eux, ils le font, laisse tomber. On avait la discussion avec Akhenaton. Je dis, mais comment ça se fait que leur génération... Eux, ils sont plus... Ils sont plus anciens que nous. Mais qui ont vendu tellement d'albums. Ouais. Tu vois, tu prends Secteur A, Côté Obscur. Ouais. Ils contrôlaient l'industrie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Ah, s'ils contrôleraient l'industrie, comme tu dis, bah, ça se verrait maintenant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que il n'y a pas eu ça qui s'est fait, quoi? Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je n'ai pas connu cette période-là, Secteur A. Je l'ai connu, je l'ai écouté. Ouais, ouais. Même moi, quand je voyais Secteur A, je me disais, waouh, c'est Détro. Je me rappelle, il y avait un mec de mon quartier, il avait signé chez Secteur A. Quand il est venu avec son contrat, je dis, oh, waouh, t'as signé chez Secteur A. C'était comme s'il signait au Real Madrid. Les côtés obscurs, les tout ça, c'était des gros trucs, tu vois. 45 scientifiques, c'était... Mais pourquoi ça s'est pas fait? Je sais pas. Moi-même, avec du recul, quand je regarde, je me dis, ils auraient pu, eux, mettre en place des choses pour quand nous, on arrive, bam, on fait des trucs. On a fait des trucs, je te dis pas, on n'a pas fait des trucs. Mais nous, notre génération, c'était... Il y avait trop de tension, frère. Ouais. Il y avait trop de tension. Trop de tension. Trop de compétition. La compétition, c'est dans tout. Ouais, tout ce qui se fait, dans tout ce que tu fais dans la vie, il y a la compétition. Tu vas travailler à la mairie, il y a la compétition. Tu vas là-bas, il y a la compétition. Sauf nous, la compétition, elle a pas tiré le truc vers le haut. Elle a fait que chacun, il était dans son coin. Moi, par exemple,
y a des gens qui kiffaient quand j'écoutais, quand j'étais personne. J'écoutais. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais j'ai pas fait de morceaux avec des mecs que j'écoutais. Avec qui tu regrettes? Ah, je sais, j'ai pas envie de citer de nom, mais il y en a plein que je regrette. Il y en a plein, des mecs qui m'ont donné envie de péra. Des mecs même que j'écoutais, quand j'écoutais leurs morceaux, j'allais direct écrire. Ouais. Bah dis-le, ça leur ferait plaisir. Un mec comme Rof, un mec comme Kerry James, quand j'étais personne, on les écoutait. Ali, Booba, on les écoutait. Mmh. Moi, je me rappelle quand j'étais rien du tout, quand je les écoutais, je te dis, lui, il y avait Luciano Lera, il y avait Sat, il y en avait plein des mecs, tu vois. Quand j'écoutais, bah, direct, je courais, j'allais écrire. Je me dis, waouh, c'est ces mecs-là. Écoute, ils t'ont donné envie d'écrire, là, tu m'as donné envie d'aller manger. Bah viens, on y va. Monsieur le Hummus.